Eh bien aujourd'hui, je vous emmène faire connaissance avec un personnage très conséquent qu'on retrouve dans les collections du musée à partir d'une œuvre que nous a laissée Pierre Vanneau. Nous allons aller découvrir Monseigneur de Béthune, évêque du Puy. Bien, alors je vous présente Armand de Béthune. Armand de Béthune, donc grand personnage. Armand de Béthune, donc, qui est né en août 1635, il est le petit-neveu d'un autre membre de cette très grande famille. Cet oncle est Maximilien de Béthune, plus connu sous le nom de Sully, premier ministre d'Henri IV, donc. Grande famille, grande fortune. Ses parents, comme ses ancêtres, ont vécu à la cour dans l'intimité des rois de France. Il fait ses études chez les jésuites. Et en 1661, le roi va le nommer évêque du Puy. Il est un peu jeune pour prendre la mitre. Il va attendre 1665, où là, il sera donc consacré le 12 juillet 1665 à Paris par son oncle, qui est archevêque de Bordeaux. Que du beau monde dans cette famille. Donc, 25 août donc, de 1665, il fait son entrée solennelle au Puy et il devient officiellement évêque du Puy et comte de Velay. Donc ici, nous avons un portrait de Monseigneur de Béthune donc, qu'a réalisé Pierre Vanneau, qui était le sculpteur attitré de ce grand mécène. Nous avons donc ce portrait surmonté d'une couronne de fleurs portée par un putti, une renommée ailée est là pour maintenir ce médaillon. Un autre putti apporte la mitre épiscopale. Juste en dessous, nous avons la couronne comtale, les comtes de Velay. En dessous, les armes de Béthune. Il ne faut pas oublier qu'il appartient à cette très grande famille. Donc tout est là pour honorer ce personnage et ce relief était destiné à décorer son tombeau qui se trouvait dans la chapelle du couvent de Saint-Maurice du Refuge qu'il avait installé, mis en place en 1687. Alors il ne reste plus rien de cette chapelle, il ne reste plus rien du décor somptueux qu'il avait commandé pour cette chapelle, hormis quelques éléments qu'on retrouve ici dans les collections du musée et ailleurs, mais on sait que cette chapelle était fastueuse. Son portrait révèle néanmoins quelques petits défauts physiques, on va dire. Vous pouvez remarquer qu'il est doté d'un grand nez, d'un très grand nez. Le duc de Roquelaure, donc, qu'il avait rencontré à Versailles un jour, raconte qu'à la cour, un courtisan s'avise de lui dire, à Armand de Béthune, donc, « Monsieur, avec ce pif-là, vous m'empêchez de voir le roi. » Et Monseigneur de Béthune, qui ne se laisse pas démonter, de lui répondre que si il a le nez long, il a le bras plus long encore. Bon entendeur, salut.